Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector. On va continuer les portes de Kamerander. Alors on avait 12 machins à buter parce que ces enfoirés étaient apparus derrière nous. Donc on va devoir avancer un peu. Et je pense que pour accélérer un petit peu, on va utiliser notre petit point de commandement pour un mitraillage au canon d'assaut sur les deux qui sont là. Ça fait trop peu de dégâts, j'ai regardé, pour vraiment faire du dégât sur ces trucs là. Ferait du 2-3 dégâts x 36, enfin c'est comme ça compte quand même hein, mais c'est pas ouf. Donc on va essayer d'éliminer ça pour pouvoir rentrer le plus vite possible, nettoyer ça, et tomber sur le dos des guerriers et compagnie là. Donc on a dit, on choisit le début l'arrivée et c'est parti. Bim 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 bim. Voilà. Ça fait le taf. Alors Carléon a également son petit bonus d'impulsion d'actif. Ce qui va nous permettre de venir là avec le petit jetpack, d'avancer d'une case et de réactiver le petit point pour cramer la tronche de sang-froid. Voilà, donc Carléon il a fait le taf. Ensuite on a une escouade d'assaut ici qui peut aller jusque là, qui va peut-être avec un peu de bol pas activer la surveillance, mais je pense que ouais, voilà, c'est quand même un petit peu trop mal placé. Voilà, mais c'est pas grave. Et on va pouvoir leur cramer la tronche. Voilà qui est fait. On a presque notre impulsion du coup. Frère Kinder il va pouvoir commencer à avancer. Frère Arturo, il va peut-être faire une petite pause soin, mais plutôt sur les squads d'assaut en fait. C'est parti. Les intercessors, c'est pareil, faut qu'ils avancent. Ah non, ça c'est des Hellblaster, donc ici un petit heal. Voilà, les intercessors ils sont là, mais du coup on est un petit peu coincé. Est-ce qu'on a un angle là? 80% c'est pas mal. 60%, on va commencer par eux. Petit perçage d'armure de dos parce que je veux que eux puissent se concentrer au maximum. On a un lance-speeder ici un peu dans le mal hein, qui va pas faire de miracle. Alors on a des trucs qui sont apparus dans notre dos aussi, on sait pas du tout ce que c'est. Hein. Et ici on a encore un exocrine à terminer et une escouade d'assaut un peu endommagée que je pense on va laisser là pour l'instant. Alors le problème c'est que là on est de face, donc si on attaque, remarque, normalement on devrait la tuer. Hein. Remarque, c'est pas sûr en fait, avec 27... Ah putain, non, quel con. Je me disais, elle a plus de PV, mais non, elle a, même avec... elle a tellement de PV que même avec plus de PV, elle en a encore 10 quoi. Tant pis, on allume avec eux. Voilà, tant pis. Bon bah, les squads d'assaut, elle va rester ici, hein, elle aura fait le taf. Avec eux... on peut se pointer ici pour faire un petit peu mal. Le Dreadnought il a un fuseur, j'aimerais autant qu'il s'occupe de ces trucs là. Plutôt que de ça. The Defensor Angelica. Ah, 0% de chance là. Là on va se prendre un coup si on se barre, on a l'autre côté, c'est bien grave. On peut avancer avec le Predator, allumer là. Voilà, ça c'est bon. Et donc là du coup, ça c'est 2 de portée, donc on peut venir jusqu'ici avec lui. 70% de chance, faut espérer toucher. Bim, 137 PV dans la tronche du primordial, ça fait toujours plaise. Vous avez utilisé votre attaque, mais vous allez quand même vous pointer. Le Tech Marine, on pourrait aller taper sur cela. Hein. Avec sa petite hache énergétique, il ferait quand même le taf. Ok. Par contre, il va falloir que toi tu avances pour te faire soigner un peu.
L'intercessor tout nul là. Est-ce qu'il peut faire grand chose? Il peut faire quand même 1 à 2 x 12 ici. C'est pas si mal. Il est rendu vénère par la mort de ses potes. Je pense qu'on peut dire ça. Ici on a une... on est bloqué par les autres, mais on va quand même y aller. Voilà, et pareil là, 45, 42, c'est parti, tire. Il reste presque plus de vie, allez. Oui, bien joué. Ici on a que 47 chances de toucher avec tout le monde qui est devant, c'est normal. On va rentrer je pense jusqu'ici avec eux. Donc l'objectif c'est de nettoyer ce qui est dedans pour l'instant, ensuite on se retournera vers l'extérieur. On est d'accord, il n'y a pas de grosses saloperies planquées au fond a priori pour l'instant. Là on va se tourner derrière. Voilà. On les tank. Ici. On n'a pas le choix, on est trop loin, donc on va y aller avec le Gantley Storm, tant pis. Ok, il en reste 4. Sachant qu'il en restait 9 avant de monter à 12. Donc il doit y en rester un à l'intérieur. Ah oui, bah oui, je suis con, c'est le Gen Stealer qui reste à l'intérieur. Pardonnez-moi. Du coup, est-ce que on se mettrait pas en défense ici? Genre toi tu vas activer ça, porte du cône de détection plus 1. C'est marrant, il danse moitié là sur son petit coussin là. Voilà, on va couvrir un peu ce qui arrive derrière. Vous allez gagner une case. Hein. En fait, ce truc reste autour, on dirait. Hein, parce que j'ai pas l'impression. Ah, si, ces deux-là avaient peut-être eu de base. Il reste eux. On va les envoyer là-bas. Couvrir un petit peu également. Alors toi, t'as fait tout ce que tu pouvais pour ce tour. Ok, on a pris la base. Maintenant on va devoir tenir les portes et éliminer ce qui reste. Espérons que c'est pas de la grosse saloperie qui va nous allumer à distance. Le 109 du point du Furioso là. Alors je sais pas vraiment s'ils avaient effectivement moyen de se multiplier, mais pour l'instant ils l'ont pas fait à l'intérieur. Par contre dehors ils sont 6 maintenant. Et ils nous chopent de côté du coup. Donc il y a quand même du vénère hein. Faut pas dire le contraire. Faut falloir qu'on ressorte un petit peu. Là on va aller au point hein. Est-ce qu'on peut prendre une vue sympa? Bof. Non, c'est tout nul. Voilà, le Dreadnought, il a fait le taf. Ici on est bien réparé, on va pouvoir aller taper un peu sur des gens qui font les malins dehors. Et voir un peu ce qu'on a. Donc on a du guerrier, on a un petit orgmonote ici. Ce serait pas mal si on pouvait se faire le guerrier en fait. Genre en avançant d'une case là. Il y a deux guerriers. Très bien, c'est bon à savoir. Vous. Vous êtes fait pour gérer ça. C'est propre, on peut pas dire. 56% de chance. C'est pas énorme hein. On va du coup
terminer cela, tant pis, on est un peu trop loin. Pousse-toi un peu, toi. Laisse la place aux potes. L'intercessor, tout dans le mal, là. Ah, c'est vraiment nul, hein, ce Stormbolter, là. Il n'y a pas d'autre mot. Le Tech Marine, c'est parti, toi, tourne-toi pour pas être de côté. Ça c'est hors de portée, donc on va devoir faire une petite surveillance. Alors ça c'est pareil, ça doit être tout naze comme chance de toucher. Ouais. En plus pas assez de perçage d'armure. Toi tu vas rester derrière pour surveiller si jamais il y a un truc qui déciderait de sortir de nulle part. Ici, comment ça se passe? On a ces saloperies. Sœur Verity, elle est un peu vénère. C'est parti. Bim. Bim. Le Land Spider en avant. Alors il en reste 4, sachant que on en voit 2 ici et 1 là. Pour l'instant on voit personne d'autre. Hein. On va avancer un peu. Ok, on les voit là-bas, très bien. On va finir ça. Et ça, c'est des trucs de corps à corps. Allume-les. C'est bon ça. Bien mangé. Toi tu vas avancer pour encaisser en cas de besoin. Pareil pour vous. Eux peuvent pas faire grand chose malheureusement. Carleon non plus, mais bon, on va avancer quand même au cas où. Il y a des trucs qui sortent. On les voit tous les trois, hein, donc normalement, sauf s'il y a un truc scripté genre oh non, ils ont fini, ils ont réussi à se multiplier, on devrait être pas mal. On va laisser eux là, histoire de couvrir un peu la zone. Le Tech Marine, répare-nous un petit peu le Predator. Après tout, hein, il a tanké, il a bien mérité. Et vous, bah vous allez rien faire. Hein. Toi, tu avances là. Vous allez protéger, enfin toi du coup, vu que t'es tout seul, tu vas protéger la porte. Allez, activez la surveillance là. Ouais, quand même. On a des surveillances qu'à 2 de distance, mais quand même. Ouh, ça fait mal. Ok, ils ont perdu 2 troupes. Ça pour aller tirer sur un petit Land Spider. Alors, qu'est-ce qu'ils tentent? Une charge sur l'attaque de réaction au pistolet. Ah oui. Trop tard, on ne pourra pas les voir sauter et se rétamer. Ça c'est fait. Il en reste 2. Oh putain, il en reste 5. La vache. Ils arrêtent jamais quoi. Ah putain, ils m'ont empoisonné les fumiers. Le soigneur il est à portée. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors, t'as quoi ici? 30 d'impulsion, 15 PV. Ah, c'est sur une personne. Vu que là, lui, on peut pas le soigner, il est un petit peu loin.
Allez, c'est parti. Visiblement, il va quand même falloir qu'on sorte... Ah, le chemin direct n'est pas assez large. Je peux pas attaquer en diagonale là parce qu'il y a du décor. D'accord, très bien. Par contre, je peux avancer. En mode... Je suis une sœur de bataille. Bim. Allez, 80% pour finir ça. Eux sont moins efficaces pour gérer les petits groupes, hein, mais ils font quand même bien le taf. Faut pas dire le contraire. 28% de chance seulement, là, vous êtes sérieux? Venez par là. On doit avoir un gros malus, là. En 10 d'évasion, empoisonné, bah non, même pas. Pourquoi ils ont autant de... C'est quoi le délire? Bah, on y va à la grenade, du coup. Allez hop, petite grenade. Ils ont 25 PV, donc ils ont survécu un peu. Carleon. J'ai l'impression que ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à les nettoyer dans un tour, quoi. Ce qui va quand même être tendu, hein. Ah, on va y arriver, hein, petit à petit. Hop, on les diminue un peu. Voilà. Très bien. Maintenant, au suivant. Toi tu peux avancer, toi tu peux avancer jusqu'ici plutôt. Je pense qu'on va avoir des chances de toucher toute merdique, mais bon, là on pourrait finir celui-là. 50% de chance de toucher. Allez, vas-y. Deux actions, 50% de chance. Ça suffit largement. Voilà, ce côté-là c'est géré. Maintenant, ici. On est un petit peu moins en nombre, par contre on a du lourd. Hein. Pour avancer avec lui, il a complètement moyen de finir celui-là. Parfait. Et d'avancer encore un petit peu pour faire mal au suivant. Si c'est pareil, on avance ici et je pense là. 96% de chance, 78. Allez, oh, allez, c'est le dernier d'entre eux. Ok, je ne doute pas que d'autres se cachent dans ces murs. Avec un peu de chance, ils n'ont pas encore eu le temps de faire leur nid, de se cacher parmi les habitants de votre ligne. Continuons, lieutenant. Nous avons des abominations à purger. Laissez-nous procéder, lieutenant. Nous avons des abominations à purger. Et on a réussi à survivre, mine de rien. On n'a pas de points bonus, c'est dommage, mais on a tous les bonus ici. L'occasion de boire un petit coup de flotte. Alors, la prochaine zone, la couvée des Gen Stealers, ça donne envie. Alors du coup, on a perdu une unité quand même? Non, on n'a pas perdu une unité. Ah, ça s'est un petit peu amélioré aussi, ça. Ah, et maintenant on voit effectivement, là, eux, ils sont level 6, level 4... Level 11 celui-là, on va le prendre. Mais qu'est-ce qu'on a perdu? On a notre deux escouades d'assaut, notre intercesseur. On a perdu un truc et j'ai oublié. Nos deux Land Spiders sont là. Le Predator aussi, le Dreadnought aussi. On a nos héros. Deux Hellblasters, j'ai pas l'impression qu'on ait perdu quelque chose. Peut-être me trompais-je. C'est pas très grave, pour l'instant ça le fera. On va aller dépenser nos points. Alors du coup, Sir Verity, on pourra aller chercher ce truc là, histoire au moins que ça soit intéressant de déclencher Foi et Fureur, parce que c'est quand même plutôt énervé, hein. J'ai l'impression que c'est que sur elle après, donc c'est pas non plus forcément dingue. On peut lui filer un pistolet à plasma et une épée énergétique. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a de beau là sinon? Les agresseurs, on les utilise pas. Les stabilisateurs plasmiques pour les Hellblasters. Plus de précision, non on l'a déjà. On a, oui, on avait les incinérateurs lourds à plasma. J'en ai pas pris je crois.
Là, on a quasiment tout débloqué. Plus 10 d'évasion pour les archivistes. Ça peut être pas mal, hein. 10% de PV pour les marines d'assaut, la compagnie de la mort, Carléon, Arthur et Croginax. C'est pas mal ça. On voit que mine de rien, ils prennent un petit peu cher les escouades d'assaut. On va prendre ça, je pense. Ouais, on va claquer ça comme ça. Ah non, j'ai pas pris ça. Plus 1 de perforation, mais les barres, on va prendre ça du coup. Et on prendra les usages anciens la prochaine fois. Voilà. Et du coup, on est prêt pour la suite, mais on va s'arrêter là pour cet épisode, et on commencera la mission lors du prochain. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.